C'est avec ces moments de bonne ambiance et de réjouissance que ce dimanche 24 de la dernière semaine du mois de novembre 2019 est choisi par la famille Zangbede Kenom de Ouida de rentrer dans la nouvelle année 2020. Cette semaine, c'est la semaine réservée pour la famille Zangbede Kenom, dont je suis le chef, de rentrer dans la nouvelle année familiale. Et c'est pour ça que les enfants Zangbede se sont associés à leur père de famille pour faire la fête et inviter les artistes que leur papa aime bien pour rester avec nous et faire soirée. La famille Zangbede est une famille qui a été créée par un homme venu d'Aguagon et qui est arrivé à Ouida et s'est marié à un enfant de Kwenou. Alors, étant une princesse avec la puissance qu'elle avait en ce temps-là, elle a dit à son époux, tous les enfants vont porter mon nom et feront les cérémonies familiales qui concernent la famille Kenom. Donc c'est depuis lors, les enfants de Zangbede ont commencé à signer Kenom et sont d'office des enfants de Kwenou. Moi, principalement, j'ai deux trônes. Je suis Da Kalmadjik Beto. Je suis sur le trône de Da Kalmadjik Beto et en même temps, je suis sur le trône de Baba Tao. Alors, j'ai été intronisé Baba Tao quelques mois avant d'être intronisé Da Kalmadjik Beto. À cette occasion, plusieurs têtes couronnées et invités sont venus festoyer avec la famille. Asan Beto, Blo, Awadi Jassi, Asan Blo, Kwesi, Asan Baba Tao. Quand ma sœur bête, et ouais, au pays de nous, nous tombons. Et donc, il y a même pour nous, là, si pour nous, là, mais toi, quand on est le tanou, moins de temps, les yeux, mon nom, il va bon monde, mais des sorts, oui, mais des sorts, oui, bah, et d'où mes bimbo, il et Joe, mais des doigts, pour qu'à la sorte, on dit, bah, j'ai fait pour et non, d'eau, cola, et nous, mais coton, là, mon et. Quand il y a des gens qui ont été dénoncés, ils ont été dénoncés. 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 Ils ont le chef de famille Zangbede Kenom n'a pu contenir ses émotions. Mes sentiments sont des sentiments de fierté, de joie, d'autant plus que nous sommes sentis aimés. Et quand on vous aime, ça veut dire forcément que vous avez quelque chose de positif. Et déjà, quand vous invitez des gens, des personnes qui se déplacent de très loin, dont Royal TV qui a quitté l'UEME, malgré la pénurie d'essence, c'est ce qui fait plaisir. Différentes démonstrations ont meublé cet événement historique.